Good morning, Aleiden, et ce soir aujourd'hui, le Nishmat Janine Rune, Pat Fortune, Mazal Frina, Lech, Yabat, Mazal Tov, Lucien, Batmina, et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Gitin, Perek, Dalet, Mishnah, Aleph. Asholeach, Get, Le Ishto, Vehigia, Vashaliach, O, Sheshalach, Acharav, Shaliach, Vamarlo, Get, Shenatat, Lecha, Batel, O, Areize, Batel. Kadam, Etzel, Ishto, O, Sheshalach, Etzla, Shaliach, Vamarla, Get shalachti lich batel ou arize batel. Imeshi igia get liyada, shuv eno yachol levatelo. Avant de lire les cas de la Mishnah, on va d'abord expliquer le principe qui est très simple. Jusque la Mishnah elle va l'exprimer sous forme de quatre figures. On expliquera ensuite pourquoi il y a une nécessité de le faire comme ça. D'abord, le principe général, c'est tout simplement l'annulation d'un get, d'un shaliach. Ouais, toujours la même scène, je suis à 800 km de ma femme, j'habite à 4000 km, allez, je suis en France, et ma femme, elle est en Israël, et finalement, je décide de rester en Israël, et je veux lui envoyer un guet, comme ça elle peut se remarier, refaire sa vie, et je veux lui envoyer un guet. D'accord? On a déjà vu qu'on peut envoyer un guet avec un chaliach, avec un émissaire, la problématique de Michel est de savoir maintenant comment est-ce que je fais pour si finalement je regrette, et je veux annuler le chaliach, qui ne donne plus le guet à ma femme, comme ça je vais se marier avec elle. Le principe, il est très simple, il faut que je rencontre soit le chaliach, soit que j'aille vite voir ma femme, avant qu'elle reçoive son guet, et que quand je le vois, je leur dis, j'annule. J'annule le shlichut si je vois le chaliach, ou je lui dis, j'annule le guet quand je rencontre ma femme, j'annule la shlichut du guet. Sache que maintenant, quand il te donnera le guet, tu n'es plus divorcé. Donc même si après il débarque, il va lui donner le guet, elle n'est plus divorcée parce que je ne donne plus mon accord, pour que le guet soit transmis. Donc maintenant, je ne veux plus divorcer ma femme, le guet ne marche plus. Le chaliach, il faut bien comprendre. Le chaliach, c'est comme le prolongement de ma main. Si je ne suis plus d'accord d'envoyer ma main, ben le chaliach l'écoute s'annule, tout simplement. Mais je dois nécessairement le dire soit au chaliach, soit à la femme. Et si, toutefois, j'ai trop traîné pour atteindre le chaliach, que le guet, il a déjà été transmis, et finalement, je vais leur dire que j'annule le guet, c'est trop tard, le guet, il a déjà tenu, il est divorcé. C'est tout le principe de la Mishnah. On va faire maintenant les quatre figures. Il y a quatre cas de figure, enfin 2 fois 2 plus précisément. Et il y a la première situation, c'est qu'il faut que j'annule le guet en m'adressant au chaliach. Mais il y a 2 cas de figure. Soit je cours après le chaliach pour le rattraper, ou soit je ne lui cours pas du tout après. Mais 3 jours après que je lui donnais le guet pour l'envoyer, je descends un jour au supermarché, je me rencontre à la caisse avec lui. Je lui dis, ah ça va, qu'est-ce que tu as tourné? Ouais, j'ai raté mon avion, j'ai raté mon bateau, Mais finalement, je pars dans 4 jours. Et quand je suis en train de passer à la caisse, une fois que je dis au revoir à la caissière, je lui dis, c'est quoi, j'annule le guet, ne l'envoie plus. Même une phrase pareille fait que maintenant, il s'arrête d'être mon chaliach. On aurait pu croire, je vous explique tout de suite la nécessité d'insister sur ce cas-là, on aurait pu croire qu'annuler un chaliach, c'est que quand tu le cours après pour l'annuler. Mais quand tu rencontres quelqu'un au supermarché, et qu'en parlant de tout et de rien, et de la guerre, en je sais pas quoi, et puis de ci et de ça, et au bout du compte, tu lui dis, ouais, aussi, bon, allez, annule le guet. On aurait pu croire que tu n'es pas assez sérieux, pas avec une phrase aussi simple, tu vas annuler ton guet, la réponse elle est oui, tu l'annules comme ça, d'accord? Idem aussi avec la femme, c'est que le chaliach, le mari, il court après la femme, il court pour attraper la femme pour la divorcer, pour lui dire qu'il annule le guet avant qu'elle le reçoive, et quelle que soit la manière, soit parce qu'il a couru après, soit parce qu'il s'est rencontré finalement avec elle, il dit, ah, tu sais quoi, alors j'annule le guet. Même une phrase comme ça, dans tous ces cas de figure, il annule le guet. Il annule la shlichut, plus précisément. Je me trompe, je vous ai dit, j'annule le guet. On n'annule pas le guet, on annule la shlichut. La Gemara parle longuement de ça, est-ce qu'on annule le guet ou la shlichut, c'est une marloquette. Pour expliquer ici dans la Mishnah qu'on annule la shlichut. Et donc, je fais tout ça dans les mots. Asholeach get leishto, veigia bashaliach. Il a envoyé, celui qui a envoyé un guet à sa femme, veigia bashaliach, et il a atteint le shaliach, il l'a rencontré, il a couru après, ou encore. Ouais, excusez-moi. Igia Bachalar, c'est qu'il a rencontré au supermarché, comme on a dit. D'accord? Il a pris la route pour partir aussi dans. Il était en France, il a pris une route pour partir dans le sud. Il s'est retrouvé là-bas à Marseille. Et pendant qu'il a rencontré le chaliach là-bas, d'accord? Igia, c'est-à-dire qu'il a rencontré. Donc dans tous ces cas de figure, Eva Marlo, il lui a dit, Get shenatati lecha batelu. Le get que je t'ai transmis, il est annulé. Areize batel,
eh bien, la shlichut, elle est annulée, plus précisément, d'accord? La shlichut, elle est annulée. Ensuite, on continue. Il y a deuxième cas de figure, c'est qu'il va s'adresser à la femme. Kadam et Selishto, il a atteint sa femme, il est parti la rencontrer. Même mieux que ça, il n'est pas parti lui-même, il a envoyé un autre chaliar qui est parti pour parler à sa femme. Et il lui a dit, aussi, même dans la région, il y avait un cas supplémentaire, c'est pas qu'il a rencontré. L'Agmal précise qu'il y a le cas où je lui cours après, le cas où je le rencontre, et le cas où je lui envoie un autre chaliar aussi. J'envoie un autre chaliar pour l'intercepter, aussi, ça annule la shlichut. Donc c'est ce qu'il y a ici maintenant. Kadam Eselishto, il est parti lui-même chez sa femme, ou encore au Shachalach Etzla, Shaliach. Il a envoyé chez elle un autre Shaliach, Va'amarla, et il lui transmet, Get Shachalach Tilach Batelou, le get que je t'ai envoyé, il a annulé, Arise Batel, la Shlichut a annulé. Maintenant, Imeshigia Get Leyada, si depuis que le get est arrivé à sa main, alors là c'est fini, le get il a été transmis à la femme, on ne peut plus l'annuler, Shuv Enoyachol, Levatlo, c'est trop tard, la femme a divorcé. Et il pourra, s'il veut rester avec elle, il n'a qu'à se remarier. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sera.